Hey yo tout le monde, c'est Crossfire, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire du Summoner's War aujourd'hui. Donc un jeu que je vous conseille fortement, il est très très bien. C'est un jeu de... Un jeu multijoueur un petit peu. Il y a du multijoueur, du solo, donc il y a une petite campagne à faire. Hein, voilà. Donc le jeu consiste à avoir des velins inconnus et à les faire spawn, vous voyez. Donc attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. C'est voilà, un petit tuto pour commencer le jeu. Voilà, un petit tuto. Donc là, vous avez la mana. La mana, elle se produit grâce à ça, qui est hop, là vous avez des diamants qui vont vous servir à faire des mobs comme cela. Là, hop, il y en a un qui a level up. Oui, merci. Ok, hop. Là, vous allez le débloquer plus tard dans la campagne. Et là, vous avez les venins inconnus. Les venins inconnus servent à créer les monstres que vous voyez derrière là qui bougent. Hop, je vais en acheter un et je vais vous montrer ce que ça fait en fait. Voilà. Là, on va aller dans les trucs d'invocation. Et là, hop, vous voyez, hop, vous savez que vous coûtez 300 de mana. C'est pas beaucoup, hein. Là, hop, j'appuie. Et voilà, j'ai un mob, un petit mob, hein, vous voyez. Très simple. Et donc là, hop, voilà. Quand vous avez des amis, vous allez obtenir des points d'invocation sociale. Qui vont vous servir aussi à faire des mobs, hein, voilà, hein, tout simplement. Là, vous avez les missions à faire dans la journée, ou alors les trophées, missions normales que vous avez dans tout le jeu. Là, vous voyez, il y a tous mes mobs. Voilà, j'ai quand même des mobs pas mal. Et il y a les mobs éveillés. Les mobs éveillés sont des mobs, voilà, par exemple, celui-là, il n'est pas éveillé. Quand il sera éveillé, il aura des étoiles. Il aura des étoiles violettes et il sera beaucoup plus puissant. Là, vous avez le truc d'amélioration. Hop, on va améliorer elle. Comme ça, après, je pourrais faire. Déjà, hop, voilà. On va descendre tout en bas. Vous cliquez. Et vous pouvez faire 5 par. Voilà. On accélère un peu le processus, 35%. Voilà. Donc là, on dirait un peu d'XP nos personnages. Là, hop, j'ai fait une mission, je la gagne. Là, et là, vous avez le mode solo. Donc le mode solo, hein, voilà, une petite campagne que j'ai finie. Vous avez l'arène. Là, donc, il y a une arène. C'est l'arène multijoueur et il y a une arène un peu solo. Donc ça c'est les duels, donc multijoueur. Il y a une arène live que vous allez débloquer au niveau 20 ou au niveau 15 je crois. Et vous avez aussi le tribunal d'ascension qui va vous permettre de gagner des récompenses au fur et à mesure que vous complétez le donjon. Là, vous avez le donjon Kairos qui permet d'avoir des runes, de l'XP. Donc voilà, hein. Ça c'est pas mal. Hein. Et pour le moment, moi j'essaye de faire le donjon, le boss des mondes, hein, voilà. C'est assez compliqué parce qu'il me faut pour le moment 10 personnages et je suis en train d'améliorer mon dixième. Voilà. Et hop, là il y a le coffre. Donc là, on récupère. Voilà, ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous avez des events. Concernant les events, vous cliquez sur ce que je viens d'appuyer. Et là, par exemple, vous allez ici. Voilà, là, il y a un event pour le moment. Il y a un event qui se termine en 4 jours. Et donc là, ça vous permet de récupérer des choses. Et de gagner des... Hop, invoquer un monstre 3
3 étoiles ou plus 10 fois et je récupérerai 200. Pareil, 150, il faut que je gagne points de gloire utilisés 100 sur 150. Et là, je pourrais récupérer. Invoquer un monstre 3 étoiles ou plus, on va tenter de le faire pendant ces 4 jours. Hein, là, hein. Ça a l'air assez simple quand même. Il en manque 5. Ça devrait passer. Et donc, pour le moment, c'est tout. Hein. On va faire une petite bataille pour vous montrer un peu ce que ça donne. On va faire le donjon de Kairos, tiens, voilà. Hop, le feu, on va faire le B4. Là, hop, vous avez les monstres des alliés, par exemple. Quand vous allez avoir des amis, quand vous allez demander en ami des gens, vous aurez leurs monstres qu'ils auront proposé. Donc voilà, hop, là on va jouer avec ça. C'est assez simple, c'est le niveau B4 normalement, ça devrait être facile. C'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne en termes de jeu. Voilà, hop, là vous avez le truc des attaques. Donc hop, une attaque AOE qui permet d'attaquer tous les mobs. Pareil, voilà, hop, pareil, hop, et on finit. Voilà. À la fin du donjon de Kairos, à chaque fin de donjon, vous avez un boss à gagner. Et si vous perdez à la fin, si vous perdez, vous avez une autre chance de réussir. Mais il faut payer des diamants. Il faut payer 10 diamants. Ce qui est. Ça va encore, mais c'est quand même assez cher. Donc c'est pour ça que je le fais pas trop, moi, des fois. À part si c'est très urgent. Donc voilà. Hop, on va essayer d'éliminer lui. Car lui. Permet au boss d'avoir un bouclier, donc on va aller l'éliminer. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Après, hop, celui-là il peut m'attaquer avec. Car il a une petite. Voilà, ici. Ici. Et ici là. Vous voyez, ici il a une sorte d'attaque. Mais ça devrait pas faire trop mal non plus. Là il est en train de me faire mal le boss. Donc on va essayer de le terminer. Ça va être dur, ça va être dur. Non, c'est bon. C'est gagné, voilà. Donc on a gagné notre combat. Hein. C'était juste pour vous montrer ce que ça donnait. Voilà. Deux venins inconnus, parfait. On va faire les deux venins inconnus et on va s'arrêter là pour la vidéo. Hein. Donc hop. Hop. Hop, on va faire les deux petits vols là. Hop. Voilà. Parfait. Et donc, on va se laisser là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, commenter. Et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.